Et voilà, bonsoir tout le monde. Ben, nous Bonsoir. voilà avec Eric pour un deuxième volet. On avait commencé un petit peu à taquiner cette espèce de perméabilité entre nos disciplines. Avec Eric, du coup, qui fait ce pont, puisqu'il pratique dans les deux. Et du coup, c'est cette espèce de regard hyper intéressant qu'il nous apporte et qui est un peu essentiel aussi dans ce partage de nos singularités. Donc là, c'est chouette, on va pouvoir continuer là-dessus. Et puis on vous dit pas tout, j'attendrai la fin pour vous donner deux, trois informations complémentaires par rapport à tout ça. On est en même temps à quelques-uns là sur Zoom, si vous voulez continuer à nous rejoindre, j'ai mis le lien sur Facebook, vous allez le trouver, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci. Et puis ben, on va démarrer tranquillement en interaction dans le salon, en interaction sur Zoom. Et puis ben, voilà, si vous avez envie de mettre des messages, on est là aussi, on essaye de gérer un peu tout ça. On est parti pour une heure et demie, tranquillement. On va essayer de co-animer l'échauffement comme on l'avait fait la dernière fois. Je trouvais ça assez pertinent. Peut-être je commence par réveiller Eric un petit peu les gens. Et puis après, je te laisse un petit peu enchaîner. On va se faire des allers-retours dans ce sens-là. Et puis ben, voilà. Tu avais un truc à nous dire ou on y va? Ben moi, je suis vraiment très ravi d'être avec vous tous. Merci pour ton invitation, hein, Raoul. C'est vraiment très, très sympa de pouvoir encore échanger et partager avec toi et avec vous tous, Aikidoka, non-Aikidoka, Judoka, hein, tous ceux qui pratiquent les arts martiaux ou pas. C'est vraiment un très, très grand plaisir. Ouais, et puis alors, Merci beaucoup. Dodo, moi ce qui me fait plaisir aussi, c'est que ce soir, ça va être le dernier soir où tu vas être sans tes tatamis. Oui, parce que j'ai les tatamis demain après-midi. Voilà, comme ça au moins, ça c'est fait, après ça va être la fête quoi. Voilà, c'est ça, absolument. Impeccable. Bon, on se fait peut-être un petit salut pour démarrer. Je le fais pas systématiquement, souvent nous on le fait en off et tout. Mais voilà, faut pas. Voilà, c'est des trucs qu'on a envie. Des fois on a envie, des fois on le fait, des fois on le fait à l'image, des fois on le fait pas. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est le plus, comment dire, naturel possible des choses. Ah, c'est cool de vous voir tous là. Allez, super. On va commencer par réveiller tranquillement les choses comme on aime bien les faire. Ça va, ça? Donc, au niveau des avant-bras, je viens ici tranquillement. Voilà, réveiller. Puis en rotation. Dedans après. Et on étire les métacarpes. Super, ouais, ça marche déjà un peu mieux. Allez, l'autre côté. Fermé par le petit doigt, ouvrir par le petit doigt. Oui, je suis en train de me dire qu'Eric, il me voit pas en fait. C'est ça le Non, truc. mais c'est pas grave, je suis désolé. Je fais pas cavalier seul, mais c'est vrai que je ne te vois pas. Oui. Donc du coup, je vais essayer d'expliquer ce qu'on fait. Allez, on fait rotation des deux épaules sur l'avant. Sur l'arrière. Ah là, ça va mieux. Mais oui, on va faire comme ça. Allez, on agrandit un petit peu le mouvement, mais pas complètement. Les mains sur les épaules, du coup. Sur l'arrière, sur l'avant. Allez, on relâche les bras tendus cette fois, rotation sur l'avant.
Rotation sur l'arrière. Ouais. Et on va venir maintenant faire la rotation. On vient étirer derrière, ramener devant. Donc on monte les deux mains. On tire sur l'arrière et on relâche. Venir. Encore une fois. Ok, super. On met la main droite sur l'épaule gauche et on tire la tête côté droit, on maintient. Relâche, main gauche sur l'épaule droite, le regard à gauche. Super, on va venir saisir le tranchant de la main, venir étirer vers le haut et poser en fait ici le coude contre l'oreille. Et on vient étirer sans pour autant bouger le corps. Le corps reste droit. Voilà, on étire dans l'épaule. C'est pas le dos qu'on étire, c'est dans la capsule de l'épaule. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, je vais juste me mettre à genoux comme ça vous voyez bien le mouvement. Là, restez debout. Hein. J'étire, je colle contre l'oreille. Et voilà, le corps reste droit et je viens étirer dans l'épaule et je maintiens. Ok, super. Encore une fois, de l'autre côté. Ouais. On relâche un petit peu les tensions, là, même si normalement, les épaules commencent à être un petit peu plus disponibles. Hein, on est lundi soir, mais bon, on a eu un beau week-end, là, quand même. Je pense que vous en avez tous profité. Et on relâche. Ok, super. Allez, les pieds parallèles, largeur des épaules. Et on vient relâcher les deux mains, rotation du bassin. On regarde loin derrière et on relâche bien les bras. Ok, on vient ramener les pieds ensemble. Les mains sur les hanches, on vient tourner les hanches et on essaie de garder la tête au même endroit. Change de sens. Change encore un peu. Ouais. Super. On vient poser la main sur les genoux, rotation des genoux. On garde les pieds ensemble. Voilà, super. Dans l'autre sens. Allez, on va venir fléchir. Donc doucement, on vient s'asseoir dans la hanche, on reste en bas. Et on remonte. Encore, tranquillement, on descend le dos bien droit. Et on remonte. Super. Allez, on va venir prendre appui sur les orteils. Donc les orteils droits, par exemple. On écarte bien les jambes et on vient juste tendre le corps. Tendre le talon d'Achille. On reste en appui sur les orteils. Hein. Vous ne posez pas le pied. Impec. Allez, l'autre côté, même chose. On est en tension. Ok. Et on change. L'autre côté. Change. Ok, allez, on relâche un petit peu au niveau des jambes. Ouais, super. Voilà. Je te laisse un peu continuer, Eric, ça te dit? D'accord, et bien tiens, c'est parti, puisqu'on est sur les jambes. Vous vous souvenez, on va faire des petits pas chassés, tranquillement. Voilà. En légère appui. On s'équilibre un petit peu avec les mains. Et là, beauté, on va shooter dans le ballon en arrivant. Voilà. On appuie, on shoot dans le ballon. Thank you.
Mouvement très simple, tout le monde a vu Zorba le grec, le Syrtakis, un pied devant, un pied derrière, toujours le même. Un pied devant, un pied derrière, un pied derrière, un pied devant, c'est ça? Encore de l'autre côté. Voilà, c'est le pied droit, un coup de pied Trois droit coups. devant, C'est à pied ton tour, devant, ça. pied droit derrière. Alors, Pied gauche devant, pied gauche devant, pied gauche pied devant, gauche devant. pied gauche devant. Ensuite, Tu on regardes. part de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est l'autre pied. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout doucement. Après, quand on a compris le mouvement, on va commencer à tourner les hanches. On garde toujours les épaules face à soi. Faut pas faire ça. J'exagère le mouvement. Non. Il fait ça bien. Hein. Bah, t'arrives pas. Devant, back. Vous voyez? Et après, on donne une légère flexion pour se sentir encore plus à l'aise quand on tourne les hanches. Tu peux donner les indications orales au niveau des pieds? Tout à fait. Allez, on commence par... Parce Alors, que nous, tu sais, je veux pas t'embêter, mais nous, une en fait, on voit tout à l'envers, si tu veux. Du coup, Alors, c'est une galère pour nous. on va s'occuper des mains. Allez. Vous allez prendre deux bâtons face à vous, tranquillement, comme une mobylette. Et là, je fais partir de ce côté-là. Donc mon pied gauche est devant. Je remets les pieds sur la même ligne et mon pied gauche repart derrière. Ah, ils viennent sur la même ligne. Sur la même ligne. C'est ça ce qui me manquait. Gauche, Gauche, tac, tac, droite, et après dans l'autre sens, tac, droite, tac, droite. tac, tac, Gauche, tac, gauche, gauche, gauche. Heureusement que j'ai le hakama pour planquer mes pieds, hein, comme ça se voit moins. Ah. Tiens, je vais Mais regarder un peu ce que font. faut le faire tranquillement, là, on est vraiment entre nous. Oh là là, Séverine, la classe! Ah, Voilà. il Et quand je repars de l'autre côté, voilà, c'est mon pied droit, un coup devant, un coup de, un coup devant, droite, gauche, gauche, en a qui sont doués, hein? En fait, ça me rassure, écoute. Allez, j'ai compris, il fallait une fois devant, une fois derrière. Mon on pied. peut mettre un peu de tonicité. Excellent. Oh. Ouais, bah, je crois que je vais le regarder en replay, hein, moi. Le chakra avec son rythme. Voilà. D'accord? Alors ensuite, un exercice beaucoup plus simple. La position cavalier de fer avec les deux poings au niveau de la ceinture. Levé vers soi, les poings. D'accord? Ma main gauche va les frapper en tournant. C'est-à-dire que les deux paumes vont se faire face. Et après, j'inverse. Et tout en gardant cette position forte sur les cuisses, j'alterne tranquillement. De profil, ça fait ça. Mon dos reste bien droit. Je ne suis pas cassé, je n'ai pas les fesses en arrière, je n'ai pas le dos rond. Je suis bien droit. Voilà. Simplement cet exercice-là. On travaille un peu sur les cuisses. Hein. Pense à souffler également. Hein. On part à rester en apnée. Voilà, très bien. Pour lâcher un peu les jambes, effectivement.
Voilà, Raoul, si tu veux continuer. Que fasse un autre Ouais, exercice. je crois que tu peux y aller là en fait. Tu sais, là, on commence à être chaud hein, pour faire des trucs, hein. Ah ben c'est parfait. Alors on va prendre le bâton. Allez. Voilà. Donc, on va faire un triangle avec ses deux pieds. Vous voyez? Donc, les pieds écartés largeur de hanche, le bâton devant soi. D'accord? On le tient de la main droite. D'accord? Donc là, le premier mouvement, ça va être simplement de partir, fléchir avec la jambe gauche, mais en prenant appui avec la main droite. Allez, c'est parti. Je vais en faire une dizaine à droite. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reprends la position initiale. Je change de main. C'est-à-dire cette fois, c'est la main gauche qui tient le bâton. Et là, je vais avancer mon pied droit au niveau du bâton et en fléchissant. Comme de l'autre côté. Cette fois, à l'inverse. 1, 2, 3, 4. Pensez à garder bien le dos droit, ne pas avancer comme ceci. Toujours, voilà, le dos bien droit et être gainé au niveau du haras. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lâche un petit peu les jambes. Et là, on vient de faire une prise d'appui. C'est-à-dire que maintenant, on va faire comme au foot. Au foot, quand on tape dans le ballon, on prend appui. On tape. Je prends appui et je tape. Là, on va faire exactement pareil. On va reprendre le même mouvement, le premier. Donc, en fléchissant avec la jambe gauche. Et je vais shooter avec mon pied droit. C'est-à-dire que la jambe qui shoote, c'est la même jambe au niveau, enfin, c'est la jambe qui est du même côté que la main qui tient le bâton. Voilà. 1. On en fait 10. 2. 3. Au moment où on shoote, on se détend. 5. 6, 7, 8, 9, 10. On relâche un peu. Là, on change de main. Et pour ceux qui ont suivi, je vous le donne dans le mille. On va charger avec la jambe droite. On va shooter avec la jambe gauche. Du même côté que la main qui tient le bâton. C'est parti. 1, 2, 3, 4, flexion, extension. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien, vous relâchez. Là, je vais faire appel à vos dons d'équilibre. On a toujours ce même mouvement, on charge. On va chercher, on va shooter dans le ballon. Et on va prendre le bâton. Donc on va le garder 3 secondes. 1, 2, 3. Un peu comme si on était au ski, regardez. Même principe. Et là, vous allez faire preuve d'un équilibre extraordinaire. 1, 2, 3.
Reviens. Deux. Ça, c'est excellent pour travailler l'équilibre et les positions de fléchissement et de gainage. 3, 1, 2, 3. La cinquième. 1, 2, 3. Relâchez. Lorsque l'on fait à droite, on fait toujours à gauche. C'est comme à l'aïkido. On travaille des deux côtés. Donc, je tenais au départ le bâton avec ma main droite. Je mets de profil. Maintenant, je le tiens de la main gauche. On fait exactement pareil. Je fléchis avec ma jambe droite. Je shoot avec ma jambe gauche et j'attrape le bâton. 1, 2, 3. Je repose. Pas besoin de lever très haut, c'est simplement aller bien chercher, détendre, prendre le bâton. 1, 2, 3. Troisième. 1, 2, 3. Je reviens toujours dans la position du triangle. 4, 1, 2, 3. Et la dernière. 1, 2, 3. Ça vous va? Super. On rajoute une difficulté supplémentaire? Ouais. Allez. Allez. Et comme ça, on aura fait le mouvement complet. Donc, je repars dans la position initiale, c'est-à-dire le triangle, je tiens le bâton de la main droite. Je fléchis. Je shoot dans le ballon. Je prends le bâton. Et je vais faire un tour complet. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. On est là pour s'amuser. Tout c'est de sentir l'équilibre et les appuis. Allez, c'est parti. Un, je fléchis. Je shoot. Je prends. Et je fais un tour complet. Un. On va en faire trois. Je fléchis. Je lance. J'ai le bâton. Et je fais un tour complet. Deux. La troisième. Je fléchis. Je shoot. Je prends le bâton. Et je fais un tour complet. Ça va? Super. Ouais. Maintenant, j'ai commencé avec la main droite. Je change. Je prends la main gauche. Même entrée, je fléchis du pied droit, je shoot, je prends le bâton et je fais un tour complet. Allez, c'est parti. On en fait trois. Un. Je reprends le triangle. Je fléchis, je shoot dans le ballon, je prends le bâton. Et je fais un tour. Deux. Le triangle. Je fléchis. Je shoot dans le ballon. Je prends le bâton. Et je fais un tour. Voilà. Ça s'appelle du ken-ken. Comment tu dis? Shimata. On lance comme ça. Pour faire chuter le partenaire. Mais là, on l'a fait dans une forme éducative et amusante. Ouais. Ok. Voilà. Super. Je
Je vais essayer de Voilà. rebondir un petit peu là-dessus. Idéalement, ça serait bien que tu arrives à voir ce que je fais, quoi. C'est ça ce qui est un peu dommage. Ah, je vois pas. Mais Bah je ouais. sais très bien que tu me fais bien, Raoul. Non, 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 mais c'est là, tu vois, pour que je puisse enchaîner sur le mouvement et que tu vois et que tu puisses rebondir. Je vais tenter des trucs, hein, donc vous inquiétez pas, à un moment donné, il y a des trucs bizarres à l'écran, je pense aussi. Voilà. Est-ce que j'arriverai... J'essaye de faire quelque chose. D'accord. Je vais juste Voilà, comme ça vous essayer. soufflez un petit peu parce que c'est, on dirait pas comme ça, mais ça travaille énormément le gainage, le hara. Ça travaille de façon équilibrée les deux côtés. Autant on travaille les appuis sur la jambe gauche, parce que souvent les droitiers prennent appui, si je ne m'abuse, sur la jambe gauche et lance. Les gauchers, c'est l'inverse. Ça vient, je suis Bon, désolé. c'est bien de travailler les deux côtés. Comme à l'aïkido, il faut savoir travailler, être ambidextre et travailler les deux côtés. C'est vraiment indispensable. On ne sait jamais si le partenaire en face, il est droitier, gaucher, bah, elle est à droite, elle est à gauche. Il faut toujours être prêt à toutes les éventualités. Ok, moi j'ai trouvé comment te masquer un petit peu le temps que je fasse une petite manip et que tu me vois, qu'on puisse en être en interaction. Parce que sinon, effectivement, c'est dommage, on va... Voilà, là tu me vois. Oui, je vois, c'est très bien. Super, les autres, ils ont un petit dessin en attendant de te revoir, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on sait que tu es là. Impeccable. Alors pour moi, toutes ces notions-là qu'on vient de voir, en fait, à la fois de balayage et de travail de hanche, en fait, d'accord? Tout ce qui nous permet, en fait, de trouver ça, sont des choses qu'on va trouver dans certains kokenage, en tout cas sur le principe. Simplement pour des histoires d'axes. Et de la manière avec laquelle en fait on va gérer à la fois l'entrépulsion, la rétropulsion du bassin. Ah, dit comme ça, c'est compliqué. On va essayer de faire des choses qui, moi, s'apparentent plutôt à des travails. Du coup, là, ça va faire rire Eric, je pense. C'est plutôt des travails de Cauchy, quoi. Parce que du coup, alors je vais voir si j'arrive à enlever Ah, mon le petit second trait. mouvement. Voilà, il y avait un petit trait. Voilà. Pourquoi? Parce que grosso modo. Dans notre travail, ne le faites pas hein, pour le moment, je vous fais juste voir. Ici, dans ce travail de hanche, je vais me mettre dans ce sens, d'accord? Une fois que j'ai chargé, là, on retrouve cette sensation d'équilibre. Tu Tout à vois? fait. Et cette sensation d'équilibre, je vais vous la faire tout seul. Je viens, je charge, je place, sensation d'équilibre. Et ensuite, je vais juste enlever et elle va tourner sur ma hanche. Donc, on va essayer de travailler ça tout seul. Parce que du coup, c'est dans la ligne directrice. Enfin, j'essaye d'être dans le rapport de ce que tu viens de faire. Hein. Donc, le mouvement, vous le connaissez. C'est le même départ que ce qu'on n'a pas arrêté de faire. Une ouverture, je viens saisir ici au niveau du coude et mon pied se place. Jusque-là, tout va bien. Ça va? Maintenant, ce que je vais vous demander, regardez, c'est qu'au lieu d'avoir mes mains ici à cet endroit-là, on va arriver sur le même point, mais ma main ici, elle va être là-haut. Ça va, ça? Donc, je redémarre. Ouverture. Venir saisir le coude et ma main elle monte. Ouais, super, là j'en vois qui suivent. Ok, d'accord. Maintenant, regardez, elle ne peut pas monter indéfiniment, sinon je suis obligé de soulever ma partenaire, hein, sauf si elle fait 2,05 m, quoi. Donc venir ouvrir, là il y a des beaux bébés hein, des fois, ouvrir, donc là je suis presque à la limite de la tension, ça veut dire qu'on va retrouver toute la partie fléchie qu'on a vue. Ouais, et au niveau du déplacement, regardez juste. Ouverture, venir placer, je ramène l'autre jambe et je fléchis. Ça va? Alors c'est pas tellement le déplacement qui est compliqué. Ça. Donc je vous le refais en expliquant gauche, droite, gauche. Hein? Il y a un changement d'axe. Hein? Si je prends une ligne, je vais prendre celle-là pour faire la voie de excuse-moi. D'accord? Donc ouverture, je viens là et je change mon axe. Hein, je me retrouve par rapport à la ligne comme ça, au niveau de ma hanche. Hein. Ce qui donne avec ma partenaire, si je me mets dans ce sens, voilà, je démarre. Super. Je démarre tout droit, mais ici, pas crac, je regarde vers là. Voilà, si tu veux, tu peux t'enlever. Ça va? Je me retrouve ici. Ça va? Maintenant, au niveau des jambes, du coup, 1, 2, ramène, fléchis, et là, on va retirer la jambe de la même manière. Hein, ce que vous venez de travailler, en fait. On pourrait imaginer, du coup, au vu de ce qu'on a vu ce soir, de rajouter une sorte de dynamique où
Vous le faites pas hein, chez vous, hein. C'est juste figuré, hein. Attention. Hein. Mais celui-là, je le testerai bien en vrai pour voir ce que ça donne. Donc je suis ici, bim, ça va. Là, et ma jambe ici va retravailler ma hanche. Voilà. Ça va? Pour pas en arriver jusqu'ici, je viens, je place, je descends. Venir. Ça va? Donc là, ce qui va être important, c'est le placement du coude et de pouvoir ici bouger sans que ma main ici ne bouge. Donc moi, je descends. Par contre, je garde la même chose au niveau de ma main. Okay? Et une fois que je suis là, il faut que je retrouve là, comme tout à l'heure, cette capacité ici, trouver mon équilibre, hein, sans qu'il y ait tout qui bouge. Pas parce que j'enlève la hanche que je bascule. C'est ça ce qui va me permettre, au niveau de ma partenaire, trouver mon équilibre. Je vais prendre là, ça sera plus sécu. Voilà, trouver mon équilibre. Et ensuite, je peux enlever un pied. Est-ce que ça vous parle? Ouais, ça a l'air. Je vous laisse un peu la parole à tous là. Je réactive un peu tout le monde là. Si j'y arrive, hein. J'essaye. Hein. Activer, muet, est-ce que ça marche? Ouais, ça y est. On vous entend tous, comme ça on peut avoir un petit moment d'interaction, je pense que ça fera pas de mal. On arrive à des choses où chez nous c'est pas toujours évident hein, le cauchy. Hein. D'accord? Et du coup là ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais pouvoir ici cibler le coude et travailler par rapport au coude pour venir me placer. Ça va? Et une fois que je vais être là, je retrouve, la sensation d'ouvrir. Hein. Il faut arriver à comprendre là-dessus, c'est que la rotation de mon cauchy se fait sur ma hanche et pas sur mon dos. Ce qui fait qu'une fois que j'aurai placé ma partenaire sur ma hanche, juste le fait d'ouvrir, elle va rouler, elle va descendre. C'est pas quelque chose que je soulève et que je viens mettre au-dessus. Moi, j'ai pas la force, hein. D'accord? Donc, c'est pas du tout quelque chose où alors, je le fais mal, hein, on est d'accord? Je prends tout ça et je soulève et j'envoie. Ça, vous voyez la structure du dos? D'accord? C'est l'inverse. Je viens, je place sur la hanche. Et une fois qu'elle est sur ma hanche, je suis tranquille, je peux me balader. Voilà. Ou alors faire ce qu'il a fait là, comme ça. Voilà. Ça va ça? Donc on est un petit peu sur le même principe, à condition effectivement que vous ayez cette espèce de gainage qu'on a vu là, avec Eric, et que ça là, ce gainage là, il reste. Hein. Si je suis là et que je veux lever, il y a tout qui va tomber. Ça vous parle? Ouais, ça a l'air. ça a l'air. Des remarques, les amis? Ce que j'ai en zoom, ça vous parle sur ce qu'est le cauchy? Ok, ouais, Eric, il est en train de s'éclater, là. Bah ouais. Donc là où c'est intéressant, c'est que du coup, on va retrouver des choses tout à fait similaires sur d'autres cauchy nagués. Avec des ouvertures ici, où je vais pas être transvasé d'une hanche à l'autre, de cette hanche. Ah, celle-là, avec de nouveau ces espèces de sensations qu'on a vues là, comme si je pouvais libérer mes hanches. Hein? Et pas du tout un truc qui fait ça. Hein? C'est vraiment transvasé. Hein? Comme on l'a vu, transvasé, libéré. Ouais. Donc, je vous encourage à faire tout seul si vous êtes chez vous. Une ouverture, je fige ici, c'est pratiquement à la hauteur de ma tête. Hein? D'accord? Je fige ça. Je ramène les deux pieds ensemble. Et en fait, je vais travailler ce mouvement-là. Une fois que je suis là, en fait, j'ai chargé, j'ouvre avec la jambe. Hein? Encore une fois, on est en homolatéral, main tendue, jambe tendue. Ouais. Donc la saisie sur la main gauche, ouverture, saisie du coude, je ramène les deux pieds ensemble, venir, ouvrir. Ouais, c'est pas évident. Le cauchy nagué fait partie des mouvements où en aïki, souvent c'est un peu rédhibitoire. Hein. Parce que dès qu'il y a des différences de poids, en fait, et tout, ça peut devenir compliqué. Mais avec ce genre de système-là, vous devriez ne pas avoir la sensation d'avoir quelqu'un qui se situe sur cette zone-là, en fait, mais bien sur la partie de la hanche. Hein. Du coup, tout le travail qu'Eric vient de nous faire, en fait, de fauchage là, de ce bâton, voilà. Ok, et ben c'est la même chose au niveau de la hanche. Voilà. Vraiment la sensation que c'est ma hanche qui va travailler et c'est pas un truc qui va essayer de tout soulever. Ça va Eric, ça comme élément, ça te parle?
C'est excellent, ouais. Surtout sur les koshinage, ça peut se décliner de différentes façons, que ce soit sur les saisies ainami, Oui. katate d'origine. C'est Oui. super. Oui, et puis du coup, on va trouver, mais peut-être, je ne sais pas si je fais voir des trucs comme ça, parce que là, quand même, il y a un peu tout le monde qui regarde aussi. Mais il y a des mouvements assez compliqués pour des koshi, qui sont des mouvements de shiolage aussi. Et c'est souvent des mouvements où on a un peu du mal les uns et les autres de venir ici. Ça va? Et Oui. là, en fait, on retrouve un placement au niveau de la hanche. Voilà, tu peux partir. On retrouve un placement ici au niveau de la hanche, où je vais me tourner. Vous voyez ce biais-là? C'est celui-là qui va me permettre en fait de libérer les choses. C'est celui-là qui va me permettre d'aller devant et de libérer les choses. Voilà. Si je reste droit sur un shonage, elle n'a plus de bras, quoi. Hein. Si je reste droit, d'ailleurs ça marche pas. J'y arrive pas. Donc voilà, il y a un biais là. Et le biais fait que ça va terminer ici. Et en même temps que ça va terminer ici, en fait, moi, je peux tout retirer. Donc ça va. Donc on retrouve en fait la sensation. Mais cette fois, on démarre en shionage, venir, je me place ici et on vient ou envoyer en reculant, c'est toujours pareil. Souvent, ça passe plutôt devant hein, parce que c'est plus facile de ramener sa main. La grosse difficulté sur ce mouvement-là, en fait, c'est que vous avez vu tout à l'heure là, la deuxième main saisit le kimono, c'est son assurance vie. Alors, on va tout doucement. Voilà. Quand ça se termine ici, c'est son assurance vie. C'est ça ce qui permet en fait. Et l'autre main libérée va venir frapper. Ça va? Sur le shionage, la main qui doit saisir le kimono, je vous donne dans le livre, c'est celle-là. Donc il va falloir que moi, j'amène la main vers mon kim. Idéalement, hein, on peut le faire sans ça, mais du coup, c'est un peu rude pour la partenaire. Ça va? Dans les koshinage, on a pas mal d'entrées en fait. Hein. On a l'entrée ikkyo que vous avez vu là. Ikkyo, le coude, tac, 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 venir koshi. Ou comme ça en rentrant le coude à l'intérieur comme si je lui mettais un athée et ça va partir là. Ou alors la version gentille où ma main passe derrière délicatement et ça la rassure. Ouais, ok. Après on a une version sur le sankyo, sur le tranchant. Où on va passer derrière. Et là vous voyez, on retrouve un petit peu la même chose. Je vais essayer de me placer là. Ce qui va terminer mon mouvement, je la maintiens juste. Hein. C'est de libérer la hanche. Hein? C'est pas de la faire basculer sur l'avant. Vous pouvez essayer, hein, mais quand vous avez quelqu'un qui a une grosse différence de poids par rapport à vous, c'est compliqué. Le shionage, je vous l'ai fait voir. Il y a une version beaucoup plus compliquée, ce Jiu-Jitsu Garami, où celle-là, c'est très très flippant pour ma partenaire parce que du coup, c'est moi qui ai la double saisie. Pareil, je vais retirer et il va pas falloir que je me loupe en fait sur la main que je vais garder. Il faut que j'en garde une qui va servir de remontée, celle qui d'habitude est au kimono, et l'autre, faut que je la lâche, pour qu'elle vienne frapper. Ça va? Enfin, il y en a quelques-uns comme ça, hein, les koshi. Mais par contre, vous avez dû remarquer, on est toujours un petit peu dans cette espèce de sensation de compression, et pouvoir ici, en fait, c'est ce mouvement-là qui, moi, m'intéresse. Celui-là. D'accord? Parce que du coup, c'est plus un mouvement de dos, c'est un mouvement de charge, et c'est comme si vous posiez un objet là, en plus, l'objet, on voit bien, il n'est pas carré, hein. Et du coup, quand je vais ouvrir, il va simplement rouler le long du corps. C'est bien descendre en dessous du centre, Oui. ouvrir la hanche, le truc des rides, Ouais, c'est ça. et revenir. Et revenir. Ça vous va? Je te remets un peu à l'écran, Eric. D'accord. Tu étais reparti pour nous faire un truc avec ça ou... Ouais, tout à fait. Ok, alors attends, je remets un coup de tous muets parce que voilà. Les micros sont... Non, 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 non. Continuez, oui. Je remets Eric activé. Excusez-moi, hein, c'est un peu de la manip, hein, mais je finirai par avoir quelqu'un qui se fait du. Comment qu'on dit là? Voilà. Ok, on te voit. Tu es avec nous, nouveau. Tu es nouveau dans le salon là. Par contre, tu nous vois plus. Voilà, c'est parfait. Alors, on va reprendre le manuel. On va refaire quelques exercices simples. D'abord, on va retravailler un petit peu sur l'équilibre. Ensuite, on va retravailler sur les hanches. Donc là, regardez bien, on est toujours sur le triangle. Vous vous souvenez, le mouvement passé, on est rentré, on a shooté dans le ballon. Et on a pris le bâton sur l'extérieur. Là, je vous le donne dans le mille. Je vais me rapprocher un peu plus du bâton. Et je fais toujours la même entrée. Sauf que je vais passer
Je vais enjamber le bâton. Oui. Et je vais le prendre à l'intérieur. Ah, c'est super ça. Ok. Alors là, pour le coup, ça dépasse ce qu'on a l'habitude de faire, hein, je t'avoue franchement. Donc, voilà, bon, c'était simplement. C'est une de mes techniques favorites au judo, mais je parce qu'elle est vraiment très, très. Pour travailler l'équilibre, elle est vraiment très simple. Alors, je vous la montre une fois, le triangle. Là, je suis plus près du bâton. Je fauche à l'extérieur du bâton et je le prends. On tient 3 secondes. On en fait 5 à droite et 5 à gauche, mais tranquillement. Je fléchis, je lance et je prends. 1, 2, 3. Je reviens, je fléchis, extérieur du bâton. 1, 2, 3. Pas besoin de lever le trop haut. Et là, c'est bien pour travailler le gainage et l'équilibre. 1, 2, 3. On reprend vers 5. 1, 2, 3. La dernière. 1, 2, 3. Ça, c'était pour se remettre, pour refaire à travailler un peu, s'échauffer de nouveau les cuisses. Donc à gauche, cette fois, je tenais le bâton au départ de la main droite. Maintenant, je le tiens de la main gauche. Je vais fléchir mon entrée avec la jambe droite. Et cette fois, toujours pareil, je vais lancer à l'extérieur du bâton en mode Oura d'Aïkido. Et je prends le bâton, je le crochette. Je recommence une fois, puis après, on va faire nos 5 séries. Voilà, et je suis bien stable. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas la peine de lever trop haut. Mais il faut vraiment se sentir très stable et à l'aise. C'est parti. Je fléchis. Extérieur du bâton, je crochet. 1, 2, 3. Je fais le triangle. 1, 2, 3. Et la dernière. 1, 2, 3. Voilà, donc relâchez les jambes. Maintenant, on va faire un peu d'haltère. Maintenant qu'on a travaillé sur le crochetage intérieur. Voilà. On va prendre le bâton. Les deux mains en prélassement. Comme si on était sur une moto. Voilà. Et là, on va faire comme un haltère. Regardant bien sûr, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ce sont les bras qui travaillent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est pas très. Il n'y a pas de grande difficulté. On va reposer un petit peu les cuisses. On va faire une petite série. Toujours en gardant le dos bien droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait fait. Oh non. Takis. Et là, on va faire exactement pareil. Je vous le montre de profil. Gardez le bâton pour moi. Et je vais rentrer en Sirtakis. Vous vous souvenez? Je rentre. Mon pied droit va devant et mon pied gauche
va rejoindre mon talon. C'est-à-dire si je le fais de l'autre côté. Voilà, certains cuisses. Et quand je rentre en flexion. Très important, il faut surtout pas rentrer en extension et le talon au sol parce que là, il faut déséquilibrer. D'accord? Oui. Voilà, on regarde toujours, là, ce sont les hanches qui tournent, mais pas les épaules restent en ligne. Vous voyez? Allez, on en fait 10. 1. 2. 3. 4. C'est un peu comme au ski quand vous tournez. Vous savez, mon genou, il se place dans le creux porté ici. 5. Et un jour on fera ski alors. Voilà, on pourra aussi. Ça peut s'appliquer au ski, au snowboard. En hiver, ça va le faire ça. 8. Surtout les épaules, vous voyez, elles restent bien en ligne. 9. 10. Relâcher. C'est vrai qu'au début, qu'on n'a pas l'habitude, on a l'impression qu'on est contracté partout. Mais petit à petit, ça va se relâcher. Il faut être très relâché du haut du corps et c'est les hanches qui tournent. Et quand on fait le serre cuisse à gauche, c'est exactement pareil. Là, pour vous donner un repère, c'est mon pied de gauche va se placer devant mon pied droit. Et mon pied gauche va se mettre parallèle au bâton. Pour vous donner un repère supplémentaire. Allez, on refait 10. Chacun son rythme. 1. Hein. 2. Ce qui est très important, c'est la flexion et d'avoir le talon décollé. Si on est en extension et le talon au sol, on est déséquilibré sur la ligne. Donc il faut toujours rester bien stable. 3. Alors pourquoi je vous ai fait faire des haltères au début? Parce qu'on va combiner les deux mouvements maintenant. Voyez? Ouais. Et au moment où je ramène mon pied, qui est derrière, je ramène la barre sur moi. Excellent. Tac, ça. Voyez? Et là, on est super stable. Les hanches, voyez mon ceinture? Il est tourné vers le jardin. Et mes épaules, elles sont vers vous. Et ne bougent pas. Les hanches sont tournées. Les épaules sont droites. Et je suis fléchi. On en fait 5 à droite et 5 à gauche. Tranquillement. Donc le bâton, il est déjà en bas. Ouverture. C'est parti. 1, 2, 3, je viens m'asseoir quand j'arrive, je ramène le bâton. 4, 5, à gauche,
C'est exactement le même principe, sauf que j'avance le pied inverse. Un. Très important, c'est de rentrer en flexion, flexion, extension, et je m'assois. Flexion, extension, et je m'assois. C'est parti. Un, deux, trois. Quand je m'assois, je ramène le bâton vers moi. Quatre. Vous relâchez. Souvenez le travail qu'on avait fait la dernière fois sur l'ouverture avec le pied qui faisait le compas, qui prenait le bâton. Oui. On peut faire exactement pareil sur cette entrée, c'est-à-dire qu'on fait le sirtakis. Une fois qu'on est là, on fait le compas. On est toujours dans le même travail avec les épaules qui restent toujours en ligne. C'est pour vous montrer ce que l'on peut travailler. On peut faire le compas. Vous vous souvenez tout à l'heure, Oui. l'ouverture? Même principe. Le sirtaki, c'est l'haltère. Au moment où je suis placé, là, effectivement, je vais tourner. Mais c'est exactement le même travail. Mais la position fondamentale, c'est le sirtakis et les haltères. Une fois que vous avez cette position-là, soit vous repartez sur l'avant, soit vous pivotez, soit vous et sur l'avant, mes deux. Ah, c'est top. Voilà. C'est excellent. Surtout le travail en fait Je de... vous un petit peu. Voilà, je te redonne la main, Raoul. Oui. Mais on est exactement dans ce qu'on avait fait la dernière fois, mais sous une approche différente, cette Sur une fois avec approche les hanches. différente, ouais. Alors attends, je vais refaire ma petite manip. Là, je suis désolé, j'ai du mal à parler et tout, mais je devrais être un peu plus rapide cette fois. Hop, là, là, ça, je suis arrivé à le faire. Hop, ici, ici. Ici. Ça va? Super, ça marche. Ok, c'est très intéressant dans le sens où il y a ce rapport en fait à la manière en fait où au fur et à mesure on construit des choses, mais on arrive à garder en fait une structure au niveau de notre axe. Souvent on a tendance à commencer des choses au niveau des pieds, puis dès qu'on commence à rajouter, il y a tout qui se barre, quoi. Là avec le Joe en fait, on arrive à figer une épaule par rapport à l'autre, en tout cas inconsciemment. On arrive à les figer et je trouve que ça c'est très très intéressant. Ça va me donner des idées par rapport à l'haïki au moment où je demande. J'aime bien demander en fait aux gens à ce que les épaules soient figées, qu'il n'y ait pas un truc un peu qui se barre, que ça ne passe pas quand j'ouvre. Voilà. Et encore, j'arrive. Voilà. Et que du coup, on arrive à avoir cette sensation-là. Moi, ce qui va m'intéresser, je vais prendre un petit bout de ce que tu nous as donné parce que c'est très très riche et je vois plein de choses, mais. Je vous en donne pas trop non plus, hein, faudrait pas exagérer. Donc je vais juste vous donner un petit peu cette sensation-là, donc d'arriver à comprendre ces deux épaules et d'arriver à comprendre ça. Là, je pense que la plupart des aikidokas ont déjà compris où est-ce qu'on va. Ushiro kiri otoshi, d'accord? Donc ouais, vous allez me dire c'est un truc qu'on connaît, machin. Je vais vous proposer deux versions, une version on va dire qui rentre bien dans les cases et une version à la Raoul quoi. Hein. Ça va ça? Donc Ushiro kiri otoshi, ce qui va être intéressant, c'est que je considère en fait au niveau de ma partenaire, je démarre là, je fais tout le tour et je me retrouve de ce côté-là. D'accord? On va se faire dans ce sens. Juste face à moi, s'il te plaît. Super. Donc je démarre là, je fais tout le tour, d'accord? Et je me retrouve de l'autre côté. Donc tout ça, somme toute, c'est le déplacement. Donc on va déjà commencer par faire ce déplacement. Je le fais avec Dom et après je le ferai tout seul. D'accord? Donc je viens, comme ce qu'on vient de travailler là, étendre ma jambe droite devant. Faire un peu de pied comme ça, super. Je viens étendre pour glisser, ça va? Et cette jambe-là, en fait, elle va aller chercher loin là-bas derrière pour pouvoir en fait me retrouver pratiquement derrière elle. Hein?
quand vous avez les bonnes distances, en fait, cette jambe-là, qui vient d'être placée, elle est même déjà limite du côté où je veux emmener l'autre, pour que là, je puisse passer. Hein, parce qu'au moment où je vais la faire chuter, idéalement, elle ne tombe pas sur moi. Enfin, bon, idéalement, on est bien d'accord? Donc, pour ça, on va démarrer en haut. Je vais vous expliquer pourquoi. On va démarrer en haut parce qu'on va essayer de retrouver ce mouvement qu'Eric nous a fait travailler. Hein, plutôt que démarrer en bas, monter, machin. On va simplifier les choses en théorie. Pas en pratique, mais en théorie. Non. Mes mains sont en haut et les deux mains sont en haut. Ça va? Comme si j'avais mon jo, on essaiera de le faire avec le jo. Je viens du coup glisser les jambes côté partenaire. Je viens pivoter tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais faire le petit déplacement ici pour me placer de l'autre côté et descendre les mains. Ça va? Donc, ça, tout seul avec un jo, parce que c'est là que ça devient intéressant. D'accord? J'ai mes mains. J'ai mon placement. L'ouverture, je glisse. Je pivote. Ouverture. Et je ramène. Ce qui va changer par rapport à ce qu'on a fait, c'est qu'au moment de ramener, en fait, je vais ramener là. Par contre, vous avez vu, mes mains sont comme ça, elles ne sont pas de biais. Hein? Ce qui va m'intéresser, c'est de trouver la même qualité. Vous verrez au fur et à mesure que ce qui est pertinent dans ce qu'Eric nous fait travailler, c'est, à mon avis, si je ne me trompe pas, c'est de mettre le partenaire en compression. C'est ça? Eric? Oui. Hein? Le fait de faire ce mouvement-là des mains, tu mets le partenaire en compression, ce qui va te permettre en fait d'avoir accès à sa hanche. Tout à fait. De le Okay. fixer sur ses appuis, absolument. Voilà. Donc on est bien d'accord, c'est pas la même chose que si tu fixes une main et pas l'autre. Ça Tout à va? fait. Voilà. Ben là, on va partir du même principe où ce qui va m'intéresser au niveau de son dos, au niveau de l'action de son dos, en fait, c'est pas le travail d'une main, sinon elle va pivoter sur son axe. Ça va? Ça va être le travail des deux mains en fait qui vont venir glisser. Donc on Tout retrouve à cette fait. sensation des mains qui glissent et idéalement au moment où ça glisse, moi je disparais. Hein, d'accord? J'enclenche et je m'efface. Donc quand j'arrive à la fin, ici à la fin, ça justifie mon mouvement. Ouais. Donc c'est comme si effectivement elle arrivait sur moi et je laisse passer. Hein. Donc il y a cette notion en fait qui devient intéressante parce que là, tout ce qu'on a déjà vu les dernières fois. Dans une notion de kokunage, donc pas de force, hein, on parle souvent, je suis désolé, moi c'est un peu mon registre de parler de la force. Quand on n'en a pas, eh ben, c'est justement pour ça qu'on cherche autre chose. Si je tire ici, ça va être par rapport à la qualité de ses appuis et par rapport à moi ce que j'ai en masse musculaire, d'accord? Donc ce qui va être plutôt intéressant, je vais même me mettre à genoux, en fait, c'est pas de tirer, mais c'est ici, c'est de descendre son corps. Ça va ça? Donc je viens. Descendre son corps. Regardez bien, c'est le mouvement qu'on a fait, mes coudes restent en bas et restent au corps. D'accord? Je ne fais pas ça. Hein? Il vous l'a fait voir d'ailleurs, Eric, qu'il ne fallait pas faire voir ça parce que son axe il est parti dans l'autre sens. Et là, on a la même logique. D'accord? Donc en fait, mes mains descendent, venir placer. Donc si on ne devait faire que le mouvement, c'est comme si je venais ici. Hop, emmener, poser. D'accord? Pas ça. D'accord? Mais vraiment la sensation que mes mains, elles tournent autour d'un objet. Vous voyez un petit peu l'histoire du Fastbury là? Quand on passait autour d'un axe, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est cette sensation que vont avoir mes mains. Sac. Ouais. Qu'on va retrouver en fait dans pas mal de choses. Hein. Thierry Scotté ne me dira pas le contraire. D'accord? Tai Chi. Hein, caresser la queue d'oiseau, machin, patati patata. Donc voilà, venir, c'est les coudes qui vont être très importants et de revenir passer sur le corps. Hein. Ce qu'on a fait là. Où on peut le faire ici, on a cette sensation là. Voilà, ça va ça? Ok? Et ce qu'on va rajouter en fait, c'est que du coup, au moment où ça passe, je glisse. Au moment où je glisse. Hein. Donc là, je glisse. Je pars sur le côté. À droite ou à gauche. Donc là et à gauche. Et j'ai vraiment cette sensation de faire comme une vague. Mais la fin de la vague, je ne suis plus là. Hein. Je ne suis plus là, hein, si vous voulez essayer. Bon. Oui. Ouais. Ça vous parle? Donc quand ça, vous commencez à le sentir, vous rajoutez le déplacement. La compression, d'accord? Donc ma partenaire est à ma droite. Hein. Si j'avance ma jambe droite, ma partenaire est à droite. Ok? Vous avez dit, on commence les mains en haut parce que c'est plus facile. Je passe derrière la compression et je m'efface à gauche. Hein, je vous fais une fois de face, une fois de dos. Donc là, on refait avec la jambe droite d'abord. Ma partenaire est sur ma droite. On démarre les mains en haut parce que c'est plus facile. Jambe droite, d'accord?
je pivote dessus, je me retrouve dans le dos, je descends la belle vague là, et quand j'arrive ici, hop, je me déplace sur le côté gauche. Je le fais dans ce sens, donc venir jambe droite, le pivot, et venir effacer jambe gauche. C'est pas mal avec le Joe, du coup on voit bien comment on place les épaules. Je vous laisse le faire à gauche et à droite, et puis j'en profite pour regarder ceux qui sont sur Zoom là, pour voir un petit peu ce que ça fait. Ça va me permettre un peu de regarder aussi. Alors. Ok, un pec. Là, ça se ravit. Ouais, super Fabrice, c'est exactement ça la sensation. Hein. Super. Très bien Fabrice. Ouais, bien Fred. Ouais, ça marche bien. Avec ce qu'on a vu là, ça marche tout seul. Ouais, c'est ça Magali. Essaye de garder ton axe avec ton regard pour que ça soit... Je sais que du coup tu cherches l'information aussi, mais essaye de rester dans ton monde jusqu'à la fin du mouvement. Regarde. Juste pour pas que tu regardes l'écran comme je fais moi. Fais pas mes erreurs, quoi. Tu vois? Ne tourne pas là. Parce que dès que tu vas commencer à tourner, ça va un peu remonter. Tu vois, mon épaule, elle est rentrée là. Elle ne devrait pas être là. Elle reste là. Donc, s'il le faut, tu fermes les yeux, tu fais attention à ce qu'il y a autour. Je viens, je bouge, mes épaules sont bien là. Et ici, tu vois, ma tête, elle reste vraiment dans l'axe, tranquille. Voilà. Il y a ce mouvement-là, ici, en fait, qui est hyper agréable et qui n'est pas si spontané que ça, au final. Encore une fois. Tac. Plus à la gauche qu'à droite. Ah ouais, bah écoute, on est deux, hein. Oui. Voilà. Tu vois, là, ça va tout seul. T'as senti ta hanche qui a fait une vague aussi? Voilà, donc ça c'est intéressant, ça veut dire que ta hanche, quand elle va faire cette vague là, elle va passer un peu sous le centre de gravité du partenaire. Hein? C'est-à-dire que grosso modo, ce qui se passe par rapport à mon partenaire, c'est qu'au lieu que ça fasse, alors la caméra, au lieu que ça fasse ça et ça, d'accord, centre de gravité il est là, hein, on va dire, hein, du partenaire. Le mien il est ici, hein, au niveau des, voilà, de l'articulation. Donc au lieu que ça fasse ça, en fait ça fait ça. Il y a comme quelque chose qui va rentrer dans sa hanche. Il y a comme quelque chose qui va rentrer dans sa hanche. Hein. Qu'on retrouve en fait dans ce mouvement-là et qu'on va pouvoir utiliser sur des kokyonage aussi. Impeccable. Super. Donc maintenant, je vous donne, là, on a vu le truc, tout ça. Hein, c'est facile, tout va bien. Alors, il faut que je me remette pour que vous me voyez. Maintenant, on va faire à la Raoul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, du coup, regardez ce qu'on a fait jusque-là. On va se mettre de biais. Ouais, super. Un petit peu. Nickel. J'avais avancé ici ma jambe droite. Ok, vous suivez? Puis j'avais passé, je fais que le pied hein, pour le moment, le pied gauche, et puis j'avais retiré du coup ma jambe droite. Ça va ça? Ça c'est notre mouvement de base, on va bien se le stipuler, d'accord? Donc, droite, gauche, je suis de l'autre côté, droite, je retire. Ouais? Maintenant regardez, droite, gauche, rotation dans l'autre sens. Youhou! Ça c'est la fête hein! Je vais vous donner des indicateurs, hein, vous inquiétez pas. Droite, j'avance ma jambe gauche, elle passe pas derrière. Donc c'est comme si je continuais mon chemin, ça va? Mais ça va être ma jambe droite qui va aller se placer là-bas. Et maintenant, le mouvement qu'on a vu là ce soir, ici, je retire et je suis placé. Donc on retrouve un petit peu des petits éléments de tout ce qu'Eric nous a fait là. Tu vois, j'essaye, hein, Eric, j'essaye. Hein. Bon, c'est... vous avez là, on n'a rien répété hein, tous les deux, donc tout ce que vous voyez, c'est imparfait, ça n'existe pas. C'est juste histoire de se faire plaisir. On est d'accord? Ouverture, j'avance, ça va? Ma jambe droite va aller là-bas, et là, je retire cette fois cette jambe. C'est la jambe gauche. Hein? D'accord? Donc si je fais tout seul, je suis là, j'avance, je retire, et je tourne dans ce sens cette fois. Tu veux essayer par rapport à moi? Essaye par rapport à moi. Ouais, ouais. Allez, jambe droite. Tac, avance la jambe gauche tout droit. Voilà, mais non, plus loin, plus loin.
Voilà. Et du coup, le pied droit, il va là. Voilà. Et tu tournes. Ouais, c'est ça. Ok. Allez, encore. Droite, gauche. Bien à gauche, bien à gauche. Non. Voilà. Comme ça, tu peux replacer maintenant ta droite et toute ta rotation. Voilà. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que tu fais un. Alors, ouais. Un, deux. Et là, dans la rotation, tu fais ton truc. Donc, un, deux. Comme ça. Un, deux. Et dans ce sens. Ouais. Et tout à l'heure, on faisait un, deux, dans ce sens. Donc, je vais essayer de vous donner des indicateurs. Je sais que ce n'est pas facile, hein, ce qu'on est en train de faire. Donc, droite, gauche. Droite à droite, et là on tourne, si vous avez fait avec la jambe droite en tout cas, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on récupère. Super. Quand on fait l'autre version, on fait droite, et là on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si ça peut vous aider. Donc une fois on tourne dans un sens, le mouvement que vous connaissez, que vous avez l'habitude ici, ça tourne toujours dans le même sens, et bien vous vous dites que vous allez le tourner dans l'autre sens. C'est un peu fun, quoi. C'est un peu fun. Il faut, hein, il faut un petit peu, quoi. Alors, je regarde un petit peu ce que ça donne. Désolé, hein, maintenant, ceux qui veulent, vous pouvez encore nous rejoindre sur Zoom, hein, c'est pas trop tard. Ça me permet de regarder. Quand même, déjà, si vous êtes fait l'effort. Allez, Eric, je te regarde. Un, deux, trois. Yes, super! Pense à faire l'autre aussi de temps en temps pour bien avoir les deux. D'accord. Parce que c'est pas facile de les enchaîner. Allez Milan. Ou Séverine. Ouais. Un, deux. Oui. Oui, très bien, Séverine. Ouais. Impeccable. Vidéo. Fabrice, si tu veux bien. Oui. Allez, un, deux, trois. Bah oui, hein. C'est naturel, hein. Essaye de rajouter la vague dans les mains maintenant pour que tu comprennes bien à quel moment tu saisis ses épaules. Oui, super. T'as vu, fais attention, ouais, et ça aurait dû aller sur ton côté gauche. Hein, donc, donne la sensation quand tu saisis de le diriger quand même sur un côté pour que ton cerveau y comprenne jusqu'où tu as fait ta rotation. Que tu as fait 1, 2, 3, 4 et qu'il roule vraiment sur ta gauche. Partez, je te retrouve. Ah oui, Ah, je t'ai trouvé. tu m'as retrouvé, je te le refais Mais moi. oui, c'est Hein? intéressant comme sensation. Regarde, oui, c'est une sensation un peu différente. 1, 2, 3, 4, et sur ma gauche. Hein, vraiment pour que j'exagère un petit peu, mais j'arrive à que mon cerveau visualise bien en fait la rotation. Tu vois que je vois bien 1, 2, 5. Tu vois, je ne suis pas neutre. Mes mains, elles ne vont pas toutes droites à la fin. Elles vont vraiment, j'exagère un petit peu. C'est juste pour arriver à avoir cette sensation de rotation. Hein? Essaye voir, je regarde. Ah, tu vois? Voilà, c'est ça un peu la difficulté. Hein? Ouais. J'endors l'écran. Ouais. Bon, je te laisse chercher, mais cherche là-dedans, ça c'est top, quoi. Tac, tac, tac. Magali, tu veux nous faire voir quelque chose? Je verrai, je le verrai, t'inquiète pas. Oui. C'est l'épaule gauche qui part, l'épaule gauche. Dans le sens inverse, non, dans l'autre sens. Encore, place-toi. Ton partenaire est à droite, c'est ça? Ah, je te vois plus. T'as triché, je te vois plus. Allez, vas-y. Donc, là, je te vois, il est à droite. Ok, donc jambe droite, jambe gauche. Ensuite, ouais, oui, c'est ça. Et tes mains sur la gauche maintenant. Super, nickel. Alors, Fred, il fait ça, je crois, avec le chien. Excellent. Bon, c'est pas un caniche, son chien, donc c'est jouable. Oui, ouais, super. Et là, tu vois, Fred, limite, on a presque l'impression que tu fais du ken, parce que simplement, tu as mis un décalage entre ta main droite et ta main gauche. Donc maintenant, je t'encourage juste à refaire exactement la même chose en prenant ton Joe, et ça va aller tout seul. Prends ton Joe. Et tu vas voir, ça va aller. Et ben voilà, super.
Impeccable, très bien. Du coup, on va vraiment obtenir ici la sensation dans un sens ou la sensation ici de la rotation dans l'autre sens. Et il y a quelque chose d'assez agréable dans le fait de déstructurer des choses qu'on a l'habitude de faire toujours. Ça existe bien au niveau du Ken, ça aussi. Hein? Tiens, regarde, juste pour vous donner un aperçu, c'était pas prévu, mais. Bonjour, merci. Peut-être si tu te mets de ce côté, on va aller tout doucement. Hein? Ça va ça? On a souvent l'habitude, là, ici, on l'a vu, ici, venir là, venir couper comme ça. Ça va? Tout va bien? Ça va? Ok? Mais il existe des choses qui font ça aussi. Où du coup, on retrouve de nouveau cette espèce de rotation. C'est très impressionnant. Vous essayez pas ça chez vous à la maison. On fera ça ensemble, avec beaucoup de soin, pour faire ce genre de choses. Parce que c'est excessivement ici impressionnant quand ça arrive. Parce qu'il y a toute la rotation du corps qui va emmener l'objet. Mais je trouve ça assez intéressant. Merci. Je ne vais pas trop le faire voir. Ça, c'est un peu dangereux, j'avoue. Hein. Ça reste dangereux, ce genre de truc-là. C'est des techniques qu'on fait quand on a bien mis une cohérence dans le cours d'arme et qu'on arrive à bien canaliser tout le monde. Et là, ça va tout seul. Mais lâcher comme ça, j'aime pas trop. Donc, voilà. À la rigueur, vous faites ça tout seul si vous voulez. Mais ça participe un petit peu à la même sensation. C'est-à-dire que mon partenaire est ici et ma rotation, en fait, elle se fait dans l'autre sens. Ça va? D'accord? Alors, ça se fait. Moi, j'aime bien le faire, par exemple, sur du Chubensuki. Donc, la frappe est arrivée ici. La frappe est arrivée. C'est moi. Elle est arrivée ici. Et là, pour une fois, je vais tourner dans ce sens et je vais venir reprendre. D'accord? Donc, vous pouvez essayer d'imaginer. Voilà. Je suis là. Habituellement, on fait ça, par exemple, et on reprend côté Geishi. Et là, en fait, je tourne dans ce sens et je reprends la main. Ça va avoir des effets assez intéressants pour pouvoir changer les axes et surtout avoir quelque chose qui va travailler un petit peu sur la sensation d'élastique. C'est-à-dire que sur l'arrivée ici, ne bouge pas, voilà. Sur l'arrivée ici, le simple fait de faire ma rotation, je le retrouve plutôt là. Et là, on repart dans ce sens. Hein. Donc, elle arrive dans un sens, elle repart dans l'autre. Ça fait des mouvements qui sont assez élastiques comme ça, hein, qui sont moins juste bam, d'accord? Et du coup, il y a la sensation de quelque chose qui arrive ici, la rotation, et ça part là-bas. Voilà, des petits trucs comme ça qui sont sympas, que vous pouvez du coup travailler tout seul aussi, dans votre référence de rotation, là, où le tsuki, donc là, ici, il arrive là, et ben, il vient sortir, pivoter sur cette jambe-là. Hein. Et on retrouve là tout ce que Eric nous a fait voir, dans cette espèce de travail en fait, et non pas de travail de rotation par les épaules. C'est ça ce que je me suis mal exprimé. Tout ce qu'il nous a fait là est très intéressant parce que sans le vouloir, lui il l'a fait exprès, mais sans le vouloir en fait vous avez figé vos épaules. Ça va ça? D'accord? Et du coup toutes les rotations que vous avez cherchées sont des rotations qui en fait s'articulent au niveau de votre hanche. En clair, en décodé, quand vous êtes sur un côté geishi, plutôt que d'enclencher avec l'épaule, là, d'accord, et du coup de rattraper avec la hanche, et bien là, si on garde le même principe, tac, je suis placé, et ensuite ma main est posée, hein, je le fais voir, voilà, d'accord, plutôt que de me figer sur mon impact et du coup d'enclencher, je l'exagère, hein, vous ne faites pas aussi mal que ça, d'ailleurs tout le monde le fait bien, il n'y a que moi qui ne le fais pas bien, voilà, d'accord, et d'avoir cette sensation parce que dans ma tête, je veux prendre le poignet, du coup, tout mon corps s'articule autour de cette nécessité et je m'enferme dans quelque chose. Donc, plutôt que s'enfermer, voilà, il nous a donné tout ce qui allait bien, je suis placé, ça va. Et ensuite, je vais pouvoir travailler. Donc, cette sensation, en fait, que ma rotation, ici, elle s'articule dans une sorte de cohérence du corps, ça va. Et non pas dans une sorte de « Ah, je vais aller chercher un point hein ». On voit ça beaucoup sur des défenses. Et là, je pense qu'Eric, il va aimer. Où en fait on investit tout cette espèce de corps là, tout ça là, pour aller à un endroit plutôt que simplement voilà, effacer le corps, se déplacer. Okay? C'est ce qu'on a vu ce soir. Hein? Une fois que je suis ici, je pourrais très bien un petit tenchi là, ça serait juste. Là, je crois qu'on va faire un peu d'aïki une fois qu'on aura quitté le truc parce qu'avec tout ce que tu m'as donné, bling, voilà, c'est le même placement. Et ici, je pourrais couper, revenir sur un tenchi. Avec un tenchi dans lequel je peux utiliser la jambe, pas aussi mal que ça, mais en tout cas avec ma hanche.
Voilà. Donc on retrouve un petit peu. Donc là, je vous encourage juste à varier les plaisirs entre quelque chose. Du coup, j'imagine, je tourne comme ça. Voilà. Je vais là-bas et je tourne comme ça. Non, je pense à l'extérieur. Donc ça, c'est un chemin. Je pourrais aller sur le chemin, glisser là et revenir derrière. Juste histoire de changer nos chaînes. Ça s'adresse un petit peu moins à des gens qui découvrent l'Aïkido. On est un petit peu plus à des endroits un peu plus compliqués, quoi. Hein? Ça va? Est-ce que je vous remets le son là un petit peu à tout le monde? Voilà, activé. Activé. C'est un lance javelot. Non, c'est pas un javelot, mais un lance de javelot. J'aime bien cette ambiance familiale. Ok. En vrai, ce qui m'a beaucoup plu, ce que tu as démontré, Raoul, oui, c'est que si on est dans la continuité, c'est que tu as montré énormément de relâchement au niveau du haut du corps. Pas du tout contracté, c'est vraiment très relâché. Et tu le fais vraiment très très bien. C'est exactement le but d'avoir le haut du corps relâché et d'avoir les hanches très mobiles. Et ça, tu l'as super bien montré dans toutes tes rotations, sur le bokeh. C'est exactement ça. D'accord. L'entrée de chiro. Voilà. C'est vraiment être très relâché avec l'eau du corps, mais bien au niveau du hara. Ouais. 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 Ça, je trouve ça intéressant parce que, en fait, tu vois, tout ce que tu nous as fait faire, en fait, en tenant le jo. C'est un petit peu comme si tu nous avais mis un repère dans l'espace, tu vois, par rapport au déplacement, ce qui nous permet en fait d'arrêter, en fait, de... Souvent on dit en Aïkido, ce qui est intéressant en fait, c'est de visualiser le point d'impact. Ça va ça? D'avoir cette sensation en fait que le point d'impact, c'est un endroit que je visualise et je vais pouvoir en fait articuler quelque chose autour de ça. Voilà. Et je vais pouvoir articuler autour de ça. Mais la difficulté, c'est justement de figurer ce point d'impact. C'est d'arriver à se dire, il est là, et j'arrive à bouger autour de ce point-là. Ça va? Là, quand on a le jo en main, inévitablement, effectivement, le partenaire, c'est le cas de le dire, eh ben, on le fige quoi, dans l'espace, hein, on le voit. Hein. Donc là, c'est un apport parce que ben, je pense que ça, transposer avec un partenaire, c'est hyper intéressant. Deuxième remarque, le fait de travailler avec le jo, les deux mains saisies, les coudes en bas, pour moi, c'est fondamental, quoi. C'est-à-dire que là, avec ça, vous avez en fait l'explication de beaucoup de défenses, comme des défenses par rapport à Yokomen, qui, au lieu de quelque part d'avoir une main plus haut que l'autre, d'avoir tout ça, vous allez avoir une espèce de sensation de travailler sur une linéarité, sur quelque chose du coup qui est plutôt horizontal. Et si c'est horizontal, inévitablement, votre hanche, elle, elle n'est pas barrée. C'est-à-dire que vos appuis sont figés, d'accord? En clair, en décodé, j'arrête une frappe, je l'arrête là. Je ne vais pas arrêter sa main et puis essayer de faire un athénie. Vous voyez, là, il y a une épaule qui est plus haute que l'autre. Mes appuis au niveau des hanches, là, c'est à peu près. D'accord? Je viens, bam, je place. Hein? C'est ce qu'on a fait. C'est exactement ce que Eric nous a fait faire, en fait, au niveau de ses déplacements. On pourrait très bien juste travailler Yokomen et la défense sur Yokomen. On pourra le voir, hein, on le refera. Hein, là, on est déjà un petit peu avancé. Et... Moi, avec ce que tu m'as donné là, je tiens 2 mois, là, tu vois. Mais du coup, oui, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que quand on va observer un petit peu partout dans les arts martiaux, tu nous as fait un échauffement qui ressemblait un petit peu à quelque chose de l'ordre du karaté, tu vois. Mmh. Ça va, ça? Ou avec une main qui venait frapper, l'autre main qui revenait, la simultanéité, c'est pareil. C'était aussi axé comme s'il y avait des points fixes, en fait, et des points mobiles, quoi. Hein. Et je pense que c'est intéressant. Je me suis aperçu avec l'expérience que quand j'arrivais pas à avoir quelque part un point suffisamment fixe, j'essaie de mesurer ce que je dis, c'était très difficile pour moi, en fait, sur le point mobile, d'avoir une action de déséquilibre. À partir du moment où à un endroit, j'arrive à figer quelque chose et le reste devient mobile, j'ai beaucoup de facilité, en fait, à avoir un déséquilibre. Voilà. Enfin voilà, c'est mes... Oh, joli le petit chat qui arrive là. Bonjour, Mitsukats. Il était curieux. Il a entendu ta voix, il était curieux. Et c'est vrai que je pense que dans nos recherches, en fait, au niveau de quelque part de la pertinence
du fait d'être stable, c'est important de se rendre compte que la stabilité, elle va intervenir tout le long du mouvement. Ça va, ça? Et que toi, avec le bâton comme ça, qui est perpendiculaire, en fait, c'est la stabilité que je peux trouver sur mon partenaire. Et il ne faut pas négliger ça. C'est-à-dire qu'être stable tout seul, oui, mais après tout, on a cette espèce de point d'appui qui n'est pas négligeable et qui va nous permettre, en fait, d'être vraiment dans ce rapport à l'autre pour, quelque part, être plus dans le déséquilibre et moins dans le côté musculaire des choses. À partir du moment où j'ai, comme tu le faisais voir, là, j'ai un petit peu compressé en fait le centre de gravité, j'ai mis un point fixe, avec le reste, il y a tout qui commence à bouger. Oui, là, là on est dans des valeurs que j'aime bien côtoyer. Et en plus, exercice très facile à travailler au quotidien, parce qu'on a toujours un bâton dans les mains, donc on travaille avec du concret. Oui. Oui. Bon, après, voilà, moi, je fais toujours le même constat, je suis toujours encore aussi mauvais danseur. Arriver à choper les pas là, mais à la fin ça commençait à venir. Bon, après, avec Dom, on a la difficulté de te voir en fait à l'envers, quoi. Tu vois, donc même nous, on se voit à l'envers, on se voit en miroir en fait. Donc des fois, c'est un peu rude, mais ça fait partie du jeu. C'est bien pour le cerveau en tout cas. Nous, on transpire des gouttes. Si les gouttes qu'on transpire, c'est celles du cerveau. De toute façon, tout ça, c'est des notions de base. Oui. Au niveau du judo, comme à l'aïkido, sur les entrées, le placement du corps, le placement des hanches. Et après, c'est des exercices, que l'on soit ceinture blanche ou gradé au judo, que l'on travaille au quotidien en tête de korenshu. Oui. Tu vois, on peut travailler après seul, tu vois. On va travailler. Ah là là. Voilà, et toujours avec le relâchement du haut du corps comme à l'aïkido. C'est hallucinant, tu vois cette espèce d'adéquation entre le placement et la mobilité. En fait, je pense que voilà, c'est une de mes quêtes, ça aussi, c'est d'arriver à la fois à être suffisamment ancré au sol pour qu'il y ait une pertinence dans ce que la périphérie fait, mais pour autant ne pas être figé, quoi. Arriver à garder cette mobilité-là, quoi. Là, tu en as fait une belle démonstration, là. L'aïkido, c'est comme toi, hein. Ouais. On a l'impression que tu es tout léger, que tu flottes sur le tatami. Ouais, mais je pense que c'est pas cette prétention, hein. Le judo, c'est un peu plus gourdeau, mais voilà. Enfin, pas comme tu viens de le faire là. Là, ça l'était pas du tout. Ça l'était pas. Mais ce que je trouve intéressant, tu vois, au final, c'est que là, on est pour beaucoup un petit peu obligé de travailler tout seul. Et au final, dans ce rapport-là, je pense qu'on est en train d'acquérir de la légèreté parce qu'il n'y a pas cette espèce de volonté de faire bouger l'autre, quoi. Mmh. Tu vois, tout au long du mouvement. Donc, on est en train, quelque part, de structurer quelque chose de plus mobile, d'un petit peu plus relaxé. Je vais être vraiment curieux de voir ce que ça va donner parce que là, on va encore avoir un peu de temps avant de pouvoir se mettre la main les uns sur les autres. Mais ouais, je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est si on le transpose bien, ça peut être vraiment très, très intéressant, quoi. Tout à fait. Je donne un peu de parole à ceux qui sont avec nous. Si vous avez envie un petit peu d'interagir, il nous reste encore 5 minutes avant que je... Je vous écoute. Alors, qui c'est qui a envie de dire un truc, là? C'est intéressant, c'est alors, vraiment intéressant cette relation qu'on a entre le judo et l'aïkido, l'aspect de déséquilibre. Déséquilibrer le partenaire en restant soi-même équilibré, c'est vrai que les exercices qui ont été proposés par Eric, s'il le permet, j'aimerais bien pouvoir les proposer au sein de mon club, puisqu'on va essayer de reprendre une petite activité extérieure d'ici peu de temps. Donc, si tu le permets, Eric, de détourner un petit peu ce que tu as proposé. Voilà. Tout à fait. Merci à toi. Partager avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Et tu vas voir, Fabrice, je ne te lâcherai pas là-dessus, je vais t'accompagner, y compris à cet endroit-là. Mais ça, je vous le raconte vers la fin, ça. Je fais encore un peu de suspense. Tu vas voir. J'ai une petite idée derrière la tête, là, qui commence à me plaire. Qui c'est qui avait envie de nous dire quelque chose un peu? Vas-y, Magali, je t'en prie. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, justement, c'est que le travail entre la verticalité et les différents axes. Les axes sont quand même stables et qui ne sont pas forcément verticaux. Oui.
Oui. C'est difficile, hein. Pas seulement dans cet axe-là. Cet axe, on change. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le bâton, justement, tout ce qu'on a fait au point de vue des sensations avec le bâton avant de passer à l'aïkido, fait que ces sensations sont plus faciles à retrouver sur le tatami. Par contre, ce qui m'a vraiment manqué, c'est le point de repère du partenaire. Et quand tu dis trouver le point fixe pour chercher des équilibres, on sent vraiment que c'est ce qui manque. Oui, mais c'est très difficile à visualiser ça, tu vois. Et là, moi, je vous encourage à une chose. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se prennent le temps, en fait, de faire des soburis, ce que je trouve assez pertinent. Hein. C'est bien, ça fait partie, quelque part, de notre, comment dire, on va dire, du tonus des choses, d'une manière tonique, logique, dans notre pratique. Moi, je vous encourage juste une chose, c'est, en fait, dans vos soburis, de ne pas faire que le soburi pour, on va dire, une vision, on va dire, d'architecture du corps, mais aussi pour une histoire de précision. Et essayez. Moi, je vais vous donner... Vous allez rire, hein. Vous allez rire. Quand j'étais gamin, en fait, j'aimais bien le matin travailler comme ça, les armes tout seul, sous le préau, voilà. Et j'avais simplement suspendu une corde et j'avais accroché à la corde, en fait, à la hauteur, vous en doutez, du coup, du visage, un petit objet. C'était un morceau de mousse, pauvre petit morceau de mousse, quoi, tu vois. Et en fait, le but du jeu, c'était de m'en rapprocher dans mes soubouris le plus possible, mais de ne pas le toucher. Donc d'avoir cette espèce de vigilance, en fait, et j'en faisais tout autant, hein. C'était pas, du coup ça me permettait de continuer à faire une certaine quantité, en fait, de soburi, mais pour autant j'avais du coup un point fixe, ce fameux point fixe, et je l'avais fait suffisamment long, en fait, pour pouvoir aller à différents endroits et pour pouvoir avoir la sensation, en fait, que j'étais vraiment au niveau de la tempe, vraiment au niveau du cou, hein. Et c'était assez intéressant. Je faisais ça aussi bien avec le Joe qu'avec le Ken. Et alors là, ce qui devient difficile, c'est au Joe, quand vous commencez à piquer les fameux tsuki, et ben, de s'arrêter dessus, voilà, en l'effleurant sans qu'il bouge. C'est, ouais, c'est un travail assez sympathique qui nous, là c'est ce que tu viens de résumer, en fait, très bien. C'est que dans notre activité, si on arrive en plus à arriver à figer un endroit, à le matérialiser, ça, tout de suite c'est un apport complémentaire. Bon, si vous l'avez pas, donnez-vous un repère dans l'espace. Des fois, visuellement, vos yeux sont en capacité, par exemple, de prendre une ligne, de prendre un axe à un endroit au loin, et vous dire à chaque fois, j'essaie de m'arrêter avec le bout de mon ken à cet endroit-là. C'est assez stimulant. Hein. Moi, je vous encourage à ça. Une des difficultés, justement, c'est de ne pas travailler dans son environnement habituel, dans un dojo où on a ses repères. Mm. Ce qui est intéressant quand on sort pour des arts, Oui, alors c'est d'autant plus intéressant, si tu veux, que là j'en profite, parce que ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Dans mon métier, en fait, hein, voilà, ça c'est pas mon métier, dans mon métier, en fait, au niveau des artistes que je côtoie, du coup, dans les arts du cirque, s'ils n'ont pas de repères visuels, ils ont énormément de difficultés à pouvoir faire les techniques. C'est-à-dire que vous prenez un trapéziste, vous prenez un acrobate, vous prenez un funambule, un fil de feriste et tout, il y a toujours un endroit, nous on ne le sait pas, ce qui est logique parce qu'ils ne vont pas le figurer, mais il y a un endroit qui leur permet d'avoir un repère. Et du coup, ce repère-là, il est nécessaire, en fait, pour que dans une rotation, ils soient en capacité de savoir que, à quel moment ils ont trouvé le repère, ils vont ouvrir pour arrêter la rotation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et au final, il ne faut pas se leurrer, en Aïki, c'est pareil. Alors, c'est sûr que si vous passez le temps à regarder vos pieds, ça ne va pas vous emmener bien loin, d'accord? Parce que du coup, à la fois votre équilibre et à la fois vos points de repère, ça va être difficile de construire par rapport à ça. Mais consciemment ou inconsciemment, nos points de repère d'un dojo, on les a. On a notre habitude. On le sent à la fois quand on change de lieu et on le sent à la fois, quelque part, quand il y a un élément qui peut être un peu perturbateur. Des fois... il ne faut pas grand-chose et c'est la cata. Maintenant, il y a un truc très intéressant. C'est que dans un dojo, ce qui va nous servir beaucoup de repères, en fait, c'est la hauteur du plafond. Peut-être même plus que ce qui nous environne, en fait. Ça, je vous laisse aller creuser un petit peu là-dedans. Hein. Moi, je me suis rendu compte que ce qui allait me déstabiliser le plus, c'était pas d'avoir beaucoup... Dans la profondeur ou dans la largeur autour de moi, ou d'être contraint ou d'avoir beaucoup, mais par contre que la hauteur, tout à coup, j'étais plus dans un dojo.
et qu'il suffit des fois de se mettre juste en dessous d'un arbre et travailler dans le dessous d'un arbre, tout va bien. On avance de 2 mètres dans le kata et ouh, il y a tout qui chancelle. Donc il y a des trucs à aller chercher à cet endroit-là qui sont assez intéressants aussi. Voilà. Hein? On évolue avec ce qui nous entoure. C'est aussi ça l'intérêt de cette espèce de perméabilité, quoi. Hein? Et nos appuis, tout ça, oui, il y a des conséquences dessus. Ouais, ouais. Super. Merci. T'avais encore autre chose? Si tu permets, je reviens un peu dessus. Quand tu parlais de points fixes pour déséquilibrer, c'est quelque chose qui me parle parce qu'en tant que malentendant, mon oreille interne, elle est en très mauvais état. Donc, je n'ai pas d'équilibre. Et j'ai besoin de récupérer un point fixe. Ça, j'escalade une montagne. S'il n'y a rien, je suis déséquilibré en montant sur la première marche d'un escabeau. Par contre, le vice, c'est qu'à partir du moment que je fais une saisie sur le partenaire, c'est à moi d'arriver à pouvoir me détacher. Et là, on en vient sur un repère visuel. Parce qu'actuellement, à ce moment-là, mon point fixe et mon équilibre, il est juste sur la saisie. Et c'est l'apprentissage par le biais de l'équilibre, d'essayer justement de pouvoir se détacher de ça. Mais il est vrai qu'on a besoin pour plusieurs choses de trois dimensions. J'entends rien d'un côté, c'est déséquilibré de l'autre. Donc, j'ai pas ma 3D. Et le simple contact, ça me permet de me rééquilibrer. Voilà. Donc après, chacun ses repères. Mais c'est vrai que c'est un mix entre le visuel, l'auditif, la sensation du toucher. Voilà, c'est tout un ensemble et son corporel. Et là, en fait, tu viens d'apporter un élément de réponse sur l'histoire de ce qui se passe au-dessus de nous. Mais faut pas le dire. C'est-à-dire ce qui se passe au-dessus de nous, hein, quand je disais dans le sens d'avoir un plafond ou pas un plafond et du coup d'avoir un équilibre différent. En fait, il y a des histoires de résonance aussi, des lieux qui vont être assez importantes. Ok. Voilà, voilà. Merci. Mais avec plaisir. Quelqu'un ? Tout va bien ? On arrive au bout de cette histoire. Moi, j'avais juste encore envie de vous faire voir deux, trois choses. Séverine, tu voulais parler, c'est ça ? Je vois un truc qui se fait. Elle était très bonne, ta tirante. D'accord, super. Comme maman, quand tu appuies là-dessus, tu peux choisir ça ou ça. Ouais, d'accord. Impeccable. Super. Bravo. Bravo. Merci. Moi, je repasse là un petit peu comment on va rebasculer comme on a commencé avec Eric. Alors, hop, je fais tous muer. Je reviens sur activer. Et je voulais juste encore vous donner un ou deux petits éléments. Je ne sais pas si je vais le faire, en fait. J'ai un peu peur de vous perdre. Je vous fais juste voir un apport qui a été essentiel pour moi et que j'ai trouvé au niveau du judo, en fait. Je te le referai voir en off. Hein, Eric, je sais que tu as du mal à me voir là. Je te le referai voir. Promis. On a un mouvement qui fonctionne, en fait, où je viens ici, voilà, d'accord, cintré ici, et je vais ici amener ma partenaire au sol. Et profitez-en, ces trucs-là, je les dis normalement que à mes élèves. Mais là, vous êtes tous mes élèves en ce moment, donc du coup, je peux me le permettre, d'accord ? Pendant des années, ici, j'ai reculé mon centre de gravité, d'accord ? Donc, je ne vais pas le faire parce que je vais faire semblant. J'ai reculé pour venir ici descendre sur mon axe, ça va ? Vous vous doutez bien que si je recule, je récupère toute l'inertie, en fait, du corps sur l'arrière. Ce qui fait que quand j'ai une partenaire un peu gringalée comme j'ai là, ça ne me pose pas trop de soucis. Quand j'ai... certains de mes élèves qui font un peu le quintal et qui sont anciens rugbyman et tout, si je fais la même chose, moi je fais crête en dessous. Hein, les ligaments croisés, il y a tout qui lâche, quoi. Ça va, ça? Et en fait, c'est les judokas dans un mouvement qui m'ont fait voir un truc. Quand je suis ici, il suffit que je gonfle mon ventre. Et du coup, regardez, ma main en haut, son centre est devant. Par contre, ma main en haut est sur mon centre. Donc là, quand je vais descendre, en fait, c'est comme si elle s'écroule sur son centre. Ça va, ça? Et là, ça devient très intéressant parce qu'au lieu de faire ça, on retrouve le mouvement qu'a fait Eric au début. C'est que simplement ici, je viens déstabiliser. Et vous voyez, elle tombe droit. Alors, on va faire l'autre et je vais essayer de te récupérer sans problème. Alors que si je tire, voilà, elle part sur l'arrière. Je ne suis pas descendu, hein, je ne veux pas faire de bêtises non plus. Merci de vous. Excuse-moi. Voilà. Donc voilà, il y a des choses très intéressantes qu'on a vues là aujourd'hui sur cette espèce de sensation de l'axe, sensation du centre, recherche de déséquilibre. Arriver à bien comprendre où se situent les épaules par rapport au crête iliaque, d'accord, à partir du moment où elles se décentrent, et puis d'arriver effectivement à avoir des axes qui ne sont pas forcément dans la verticalité, mais qui peuvent rester et être dans l'équilibre. Ça, c'est très intéressant. Hein.
Donc on a balayé pas mal de choses. Voilà, maintenant je réponds un petit peu à Fabrice, je réponds un petit peu à certains. Les rendez-vous de Raoul, je vous avais promis qu'on allait s'adapter au fur et à mesure des choses. Il y a eu ce petit moment là où je ne vous ai pas complètement lâché, le cerveau il a continué, mais j'étais plus dans la temporalité. Il fallait que je m'occupe de Dom, voilà, qui va bien. Hein. Le masque va disparaître à partir de jeudi soir. Vous voyez, il est déjà un petit peu là. D'ailleurs, c'est un très beau masque qu'on vient de recevoir. Merci Laurence. Merci Laurence, ils sont juste magnifiques. Moi, j'ai ma version aussi. Hein. Là, c'est... Et on reste dans le Japon. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, voilà, c'est Top Moumoute, donc merci Laurence. C'est don libre, c'est pour une association qui est géniale, qui s'occupe des animaux maltraités. Je vous envoie le lien. Ben voilà. Voilà. Elle sera contente que vous ayez le lien au moins. On mettra le lien. En voilà. Tout cas, nous, voilà, ça va disparaître à partir de jeudi. Donc ça veut dire qu'on a passé là 4 semaines, c'est compliqué. Et donc là, on va se revoir d'une manière assez régulière. Les rendez-vous sont fixés. Les lundis, les jeudis pour les cours, les samedis pour les armes, le mercredi pour le petit rappel au niveau des armes, les vendredis pour prendre soin de vous. Vous voyez, le programme, il est nouveau, assez costaud. Et je pense, un dimanche sur trois, on se refait un stage. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Ben, on s'adapte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que samedi, je vous donne rendez-vous dans mon jardin. Donc, il va y en avoir 8 déjà, voilà, dans un premier temps, hein, parce qu'il faut qu'on reste 10. Mais une fois qu'on a compris ce principe-là, ben oui Fabrice, si toi t'en as 10 de ton côté, s'il y a du côté d'Arcachon vous êtes 10, si ici sur Chalon on fait des groupes de 10, ben là ce qu'on est en train de le faire, on peut continuer à se le partager, même si chacun dans son coin va venir picorer dans les rendez-vous de Raoul pour s'en inspirer ou pas par rapport à son groupe, en tout cas on va avoir la sensation cette fois de le faire. Et là je peux vous assurer, on va pouvoir mettre du coup quelque part en relation à la fois les travaux qu'on a fait tout seul au niveau de Hooker, à la fois les travaux qu'on a fait au niveau de Tori, en face à face, en simultané, en tout ça. On va remanier tout ça. Puis ben, les armes, ça va juste être un bonheur d'avoir, comme on se disait, avoir un point fixe en face de soi. Donc voilà, on est en train de faire modifier ça. Le premier rendez-vous, c'est samedi où on se voit dans le jardin. Donc attention, là, la shortlist, 8 personnes, ça va se remplir très très vite. Mais vous inquiétez pas, il y aura un turnover. Et puis le but, c'est de générer des petits groupes un peu partout, avec des gens qui ont à chaque fois la responsabilité d'une dizaine de personnes, enfin de 9 personnes en fait, et que là, avec les moyens technologiques qu'on a, ben on va tous être reliés, on va pouvoir faire ce qu'on est en train de faire, interagir ou pas, suivant les envies. Vous allez pouvoir venir puiser dans cette espèce de boîte à outils que je représente. C'est ma seule prétention, c'est d'être là en fait pour quelque part partager nos envies. Et après, vous prenez ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, mais ça peut être juste assez génial de partager ça comme ça un petit peu partout, en simultané. Ça peut le faire. Et puis du coup, on se verra les samedis pour les armes, les lundis pour l'aïki. Donc lundi prochain, on est en vrai. Je ne sais pas où. Sûrement dans mon jardin pour commencer parce qu'il va falloir y aller cool. Puis à partir du 2 juin, je pense que ça sera encore plus cool. On va pouvoir se déplacer. Puis je ne sais pas. Je pense que je vais faire des cours d'un peu partout. Je vais me déplacer aussi. Voilà. Donc voilà, ça laisse présager pas mal de choses. Et ça fait plutôt du bien. Je pense qu'on en avait besoin de côtoyer ça. Je suis en train de mettre en place, ne vous inquiétez pas, je suis en train de mettre en place un process sur le fait d'accueillir effectivement, nous 8 parce qu'on est déjà 2, d'accueillir comme ça un groupe de 10 pour que les process soient simples, efficaces, aussi bien au niveau du matériel et tout. Je pense que je vais vous fournir une partie du matériel, je ferai des trucs, les idées sont là, le truc est là, je vais essayer de faire valider 2-3 trucs par la Fédé pour être sûr qu'on est dans les clous. Et puis après, on évolue en même temps que la situation. Voilà, et moi ça me va bien. Ça. Je pense que on est là pour ça, quoi. Hein. Super. Je crois que j'ai un peu bien dépassé. J'étais un peu bavard ce soir. Eric, tu avais quelque chose à nous dire encore? Encore merci pour ton invitation. Merci à vous tous pour votre engagement et votre excellent travail. Je n'ai pas tout vu, mais oui, j'ai entendu Raoul qui disait que c'était super, donc voilà. Merci à vous tous, merci à Raoul pour l'invitation, merci, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Ouais, merci. Vous restez avec nous là sur Zoom, dès qu'on aura coupé, on se met en visio, je te fais voir 2-3 trucs, comme ça tu les verras tranquillement. Et puis voilà, et puis ce que j'ai dit au début à Eric, et du coup que je gardais vraiment pour la fin, figurez-vous qu'il va y avoir un volet 3 de ce qu'on vient de faire, mais que le volet 3, on le fait ensemble. On le fera pas comme ça, on sera tous les deux côte à côte, en vrai. Et ça, je pense que rien que pour nous, là, ça va faire un bien
énorme. Donc voilà, on se dit à bientôt, à mercredi, dans la matinée, un petit peu d'IA, un petit peu de révision, et puis après on se bouge un petit peu, un petit truc un peu tonique. Ne vous inquiétez pas, je vais commencer à remettre les choses de nouveau aussi sur YouTube et tout. Voilà, il faut que l'organisation se remette en route. Et dernière chose, vous avez dû voir passer un peu le message, on est parti pour faire un Kouglof. Donc le pain, ça y est, moi ça tourne, il y en a un régulièrement qui est fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est faire un Kouglof. Et avec Alexandre, commencez à regarder les ingrédients, la liste, je l'ai mise. Je vais vous la remettre encore un petit peu différemment pour que vous l'oubliez pas. Peut-être bien que vers jeudi, ça pourrait être un moment sympathique. Je vais me rapprocher d'Alexandre pour voir avec lui si c'est possible. Mais peut-être que jeudi, ça pourrait être un moment sympa. On va voir. Voilà, et puis plein d'autres choses qui sont en train de se préparer dans plein d'endroits différents. Patrick, tu es là, Patrick ? Oui, je suis là. J'ai pas beaucoup de flux, donc j'ai coupé la caméra, sinon c'était haché. Par contre, on t'entend. Mais vous m'entendez, oui. Voilà. Donc, on leur dit ou on leur dit pas ? Oui. On leur dit, voilà. Donc, avec Patrick, en fait, les rendez-vous de Raoul invitent Patrick, mais il va pas arriver tout seul. Il va arriver avec un festival qui s'appelle La Tête dans le Fion. Donc ça va se situer, on n'a pas encore la date exacte, mais on va dire que c'est vers le 13 juin. C'est un festival. La date exacte, le 13 juin. Hein, ça doit être ça, hein, je crois. Hein. Voilà, sauf s'il y a quelque chose qui bouge entre-temps techniquement parlant, mais ça va être ça. Je pense qu'on va commencer à figer les choses. Et du coup, le 13 juin, on se fait, on démarre, on ne sait pas quand on arrête, mais on va démarrer, on va essayer de vous apporter un point de vue, genre les rendez-vous de Raoul, humain, sur ce qu'est un festival. Maintenant est à sa quatrième année et du coup tout ce que ça représente avec toute cette espèce d'interaction, d'énergie, d'envie, d'humain et de plein de manières différentes. Donc entendez-le bien, ce n'est pas un festival en ligne, c'est un point de vue sur le festival. Voilà, avec des intervenants, avec de la musique à certains moments aussi, mais je pense qu'on va brasser pas mal de gens quoi. Donc ça va permettre de donner un point d'appui à quelque chose qui se fait différemment au final. Hein. Ça te va, Patrick? Oui, je suis là. Attends, j'ai essayé de remettre la vidéo. Ah oui, alors attends. Du coup, on va te mettre un petit peu avec nous. Pardon? Voilà, comme ça, t'es avec nous. Super. Impeccable. Oui. Ça, c'est pas grave. Hein. Oui. Ça résume bien les choses pour toi? Oui, non, c'est très bien. Ouais. C'est très bien, on fait ça. Donc voilà, on sait qu'on va essayer de regrouper sur quelques heures. On ne sait pas trop. On sait quand on va commencer, on ne sait pas quand on va finir. On va essayer de récupérer en fait toutes les envies de chacun, que ce soit des musiciens, que ce soit même d'autres. D'envie, il y en a quelques-unes déjà. Il y a déjà quelques personnes qui les ont bien exprimées. Super. Ça va être sympa. Ouais. Ça devrait être sympa. Voilà. Donc, je vais commencer aussi comme ça à te dire un petit peu plus à jour la liste des événements à venir. Hein. Vous inquiétez pas. Merci, Patrick. Salut. Merci. Ciao, ciao. Super. Bon, Eric, voilà, on termine avec toi. On commence ensemble. On se fait un petit salut. Vous coupez pas, les amis, sur Zoom. On aura encore un petit peu de temps pour discuter. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. J'ai été un peu beaucoup bavard ce soir, c'est pas grave, il y en a qui ont l'habitude. Ah ouais. Ah bon ?